gros doublé gagnant pour vous, hein. Vous teniez à terminer en beauté ce tour cycliste de Martinique. Ben oui, je tenais ce tour à terminer en beauté. Bon, ben, je ne savais pas que j'allais tenir la victoire au bout. Bon, je suis très satisfait pour mes coéquipiers, pour le directeur de la sélection, Dominique Dona. Je remercie aussi mon président Max Makambu, Johan Wiffin, mon président de comité qui est venu nous soutenir. Et puis, bon, ben, cette victoire, c'est pour tous mes coéquipiers, ma compagne, mes enfants, et puis le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais. Aujourd'hui, je suis très satisfait d'avoir deux victoires sur le Tour de Martinique. Là, vous avez mené là, sur les derniers kilomètres, après une crevaison de Kivisti qui a repris la course. Vous étiez vraiment devant, rattrapé un petit peu par Nubul, mais vous avez fait une belle performance sur cette étape. Ben oui, j'ai fait une belle performance. Bon, je ne sais pas combien je suis au général maintenant, puisque je suis parti ce matin 6e. J'espère que je remonte, je ne sais pas. On verra bien après. Voilà. Quel bilan vous dressez de ce tour de cycliste de Martinique? Bon, ben, ça c'est... Ça s'est mal passé pour moi depuis le départ de la course. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait de mes deux victoires, surtout pour mes coéquipiers et le staff technique de la sélection, pour mon peuple et puis comme je dis, pour moi aussi, puisque je termine parmi les 10 premiers. Et j'espère que je suis remonté à la 5e place, je ne sais pas.